Bonjour à tous, chers investisseurs. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, bon, pour ceux qui ont suivi un peu et qui ont eu à m'envoyer des messages, ça va mieux. Le palu m'a finalement laissé à telle enseigne que me voilà reparti encore dans les balades à Abidjan pour vous. Ok, là je suis sur un à la visite, deuxième visite d'un site. C'est-à-dire qu'au préalable, mon collaborateur a déjà fait la première visite et moi-même, je viens maintenant pour visiter le site quand ça en vaut la peine. Donc, nous sommes à Jacquesville, ok? Jacquesville, qui est l'une des futures zones balnéaires, sinon la zone balnéaire dans le Grand Abidjan qui est en train de prendre énormément de valeur. Tout à l'heure, en venant, j'ai vu que la voie de Sangon, qui sont en train de faire, la voie de Dabou qui sont en train de faire vraiment avance très très bien. Donc cette zone vraiment n'aura plus de prix à un moment donné. Voilà, rappelez-vous Benjerville, il y a 10 ans, personne n'en voulait. Même les terrains à 1 million, 2 millions, personne n'en voulait. Aujourd'hui on est en 10 et 15. Ça c'était Benjerville il y a 10 ans. Et ma projection c'est que Jacquesville devienne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, 10 ans, personne ne s'intéressait à Jacquesville. Aujourd'hui, Jacquesville est en train de monter. Les prix flambent déjà. Dans quelques mois, lorsque la route sera finie, on sera vraiment à un niveau d'inflation tellement important que ça sera difficile. Voilà. Donc ici, on est dans le village qui est juste avant Adoumangan. Ceux qui ont investi à Adoumangan connaissent la ville, le village. Donc c'est toujours à Jacquesville. Donc le carrefour juste avant Adoumangan. Ici, on est à Akrou. Voilà, Akou, juste avant Adoumangan. Ok, donc on est sur. Je vais pour la visite d'à peu près 9 hectares. Mais à ce stade, il n'est pas possible d'avoir une idée précise. Il se pourrait que, après que la polygo soit faite et que les gens du ministère de l'Agriculture soient passés, on soit à plus ou à moins. Mais on ne sera pas très loin. Donc. Sur un hectare, selon le découpage, on peut récupérer à peu près une vingtaine de lots. Je vous laisse calculer ce que ça fait en lots. Voilà. Ici, la particularité, contrairement à d'autres sites où nous étions sur des financements de travaux, entendez par là des coûts de durée, des financements à courte durée, 4 à 6 mois. Ici, on va être sur un financement de lotissement. Ça veut dire que vous venez bien en amont. Voilà. L'inconvénient de ce type de financement, c'est que c'est un peu plus long. L'avantage, c'est que c'est très, 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 très bon en termes de rémunération en lot. Voilà. Pour vous donner un exemple, sur un financement de travaux, on va peut-être être à 10 millions de lots. Sur un financement de lotissement, on peut être à 5 lots, 10 millions, 6 lots, 10 millions. Et comme ici, on n'a que des cocotiers, on ne peut pas aller plus loin. Sinon, un bon financement de lotissement avec une forêt dense, on peut même avoir 15 lots pour 10 millions. C'est ça la force des financements. Donc ici, on va être sur un financement de lotissement. Je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai publiées sur la chaîne YouTube, dans la playlist ADP Dico, où je parle de financement de lotissement et financement de travaux, pour vous remémorer la différence entre les deux. Voilà. Mais l'un est très avantageux, mais un peu plus long, et l'autre est moins avantageux, mais court. Donc ça va dépendre maintenant de votre projet. Est-ce qu'il est à long? Est-ce qu'il est à court, moyen ou long terme? Voilà. Pour les longs termes, je vous conseille les financements de lotissement. Parce que c'est beaucoup plus avantageux. Voilà. Voilà. Donc voici le site. La particularité de Jacquesville, c'est que c'est des cocotiers partout. Hein. Ok. Voilà. Donc le site, il est là. Ok. Nous sommes venus d'ici. Et le site s'étend dans cette direction. Avis déjà à ceux qui voient une forêt. Je referai cette vidéo-là dans 30 jours.
Vous allez voir. Une touffe comme une densité pareille. En 3 semaines, nous on dégage tout ça. En 3 semaines, on rase tout ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire un peu la capacité d'accélération que nous avons, la capacité de productivité du travail que nous avons. Voilà. Donc c'est sur cette superficie-là, sur 9 hectares. Je ferai quelques vidéos quand on va retourner. Je vais vous montrer des endroits qu'on a pris dans cet état-là et ce que c'est devenu. Voilà, c'est comme ça que Adoumanga était. Voilà, là ici on est à Adoumanga. Pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, vous voyez que on ne fait que décaper et la pluie ne fait que ramener les herbes. Voilà, toute cette zone-là, elle était carrément décapée, rasée. Mais bon, quand les propriétaires ne viennent pas travailler, les herbes repoussent. Mais Dieu merci, c'est encore maîtrisé. Voilà. À Doumangan, là où certains d'entre vous ont investi, c'est comme ça que c'était. Il y avait même pas de champ. Tout ça, c'était des cocotiers partout. En réalité, c'est pas vraiment touffu. C'est les cocotiers qui sont entrés, puis après, il y a les palmiers. Voilà. Donc, l'équipe est venue en premier repérage. Quand moi-même je viens, c'est que c'est bon. Voilà. Voilà. Donc là, on est à Jacquesville, côté lagune. Voilà. Donc là, c'est le retour. C'est dans ce genre de zone que nous travaillons. C'est dans ce genre de zone que nous travaillons. Parce que c'est là qu'il est encore possible d'avoir de bonnes opportunités. Voilà. Ici, on est à peu près à 5 minutes de la lagune. Côté nord, nous sommes côté nord. Donc c'est à peu près à 5 minutes de la lagune en voiture. Et puis peut-être une dizaine de minutes, entre 5 à 10 minutes de la mer. Voilà. Donc c'est une fausse forêt en fait, concrètement. Et ici, on va plutôt parler d'un financement de lotissement. Si vous voulez savoir ce qui est possible d'obtenir ici pour un financement, comme vous savez, c'est en inbox. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est simplement des arbres à abattre en fait, et des cocotiers à faire coucher. C'est pas vraiment une forêt. Donc ici, ce qu'il y a à faire, un décapage, c'est-à-dire raser tout ça. Ok. Deux, l'application, c'est-à-dire poser les bornes. Pour ceux qui commencent à être habitués au terme, premier travaux, décapage. Deuxième travail, bornage. Troisième, ouverture de voie. Quatrième, pose de poteau. Et ici, on va à l'ACD directement. Donc, quand vous faites un financement ici, vous avez automatiquement droit à un lot qui vous sera livré avec ACD. La raison pour laquelle on parle de financement de lotissement, c'est parce que justement, nous sommes en début de projet. Et début de projet, c'est là où c'est vraiment avantageux. Retenez ça. Sauf qu'on va partir sur une période de 12 à 18 mois. Donc concrètement, je vous donne un cas pratique. Quelqu'un qui n'a pas l'intention de rentrer au pays, construire sa maison dans les 1 an ou dans les 18 mois, plutôt que contre 5 millions, on lui remette un lot, il profite de 5 millions pour 3 lots. Et il patiente que nous finissions les travaux et il récupère ses 3 lots. Là où il aurait eu un lot, il en a 3. Voilà. On peut même aller plus loin. Si on part par exemple sur un financement beaucoup plus important de 10 millions, ok, on peut se retrouver peut-être avec 8, 9 ou 10 lots. Ce qui fait que le lot vous revient à 1 million. Ça, c'est la force des financements de lotissement. Parce que rien n'a encore commencé. Donc le besoin d'argent est important. Et vous savez très bien dans notre activité, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est pas les lots. Un opérateur qui travaille bien peut avoir 400 lots dans un coffre-fort à la banque. Puisque c'est là-bas que nous conservons nos lots.
les attestations en sortant en original, en une seule copie, les attestations valent de l'or. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui doivent venir chercher leur attestation dans nos bureaux, si vous venez les chercher, conservez-les bien, parce qu'il n'y a qu'une seule copie originale. Si vous perdez, vous repartez au village, payez la signature du chef. Par exemple, dans une zone comme Jacquesville, vous perdez votre attestation, vous retournez payer 500 000 francs au village pour que le chef signe. Voilà pourquoi les lots des opérateurs sérieux sont conservés en banque. Un opérateur peut avoir 400, 600 lots en banque, mais va rechercher 2 millions pour faire des travaux. Parce que dans notre activité, on n'a pas d'argent. On a des lots. Toutes les transactions sont en lots. La raison pour laquelle quand vous nous donnez de l'argent, on vous donne des lots. Parce que les villageois nous donnent des terrains pour travailler sans nous donner d'argent. Et eux aussi nous rémunèrent en lots. Voilà. Vous aurez compris, tout est un échange de lots. Voilà. Donc c'est la zone qui est là. Très très belle zone. Il n'y a pratiquement rien à faire. Voilà. Ce ne sont que des cocotiers à abattre. Sur Jacquesville, pour abattre un cocotier, c'est 5 000. Vous comprenez maintenant pourquoi on a tant besoin d'argent. Tout est argent. Et puis on vous rémunère en lot. Voilà. Donc pour résumer, ici c'est 9 hectares à Akrou, Jacquesville, juste avant Adoumangan. Ceux qui ont investi à Adoumangan, ce site est juste avant vous. Nous n'avions pas eu l'accord des villageois. Donc nous avons travaillé sur Adoumangan. Et par la suite, un fils nous confie maintenant Akrou à cause du travail qu'ils ont vu à Adoumangan. Voilà, la zone a carrément changé d'aspect. Et au niveau villageois, quand tu vois le village, quand tu vois certaines familles avoir des bons lots, tu te rapproches de l'opérateur qui a travaillé et tu lui confies ça. C'est une question de jalousie et d'orgueil maintenant. Voilà. Voilà, donc c'est la zone que vous avez vue, hein. Très très bien placée, très très bien située. Le terrain est plat. Voilà. Donc, l'une des forces aussi de ce lotissement, c'est qu'il est juste à côté du goudron. Mais la famille n'avait pas voulu. Voyant la parcelle des autres familles développées, elles ont cédé. Voilà. Et pour notre plus grand plaisir. Et pour le vôtre aussi. Voilà. Donc, c'est un site qui est très bien placé. Le sol est plat, en termes de relief, le sol est bien plat. On n'est pas dans un bas-fond. Et il n'y a pas vraiment de boulot. Nous sommes sur un lotissement à Zagué, où on tombe sur des arbres de famille. Où, quand on coupe l'arbre, quelqu'un doit décéder. Vous imaginez pas les quantités de liqueur qu'il faut verser pour contrer ça. Ni les sommes d'argent qu'il faut donner pour empêcher ça. Tout ça, ce sont les mystères de l'Afrique. Ici, ce ne sont que des cocotiers. Voilà. Bien vrai que c'est 5 000 par cocotier, mais ça reste raisonnable. Voilà. Puisque sur un terrain, on peut avoir une dizaine de cocotiers. Donc, c'est pas très affolant. Voilà. Donc, c'est le nouveau projet qui est là. Comme vous le savez, la vidéo sera publiée ici en exclusivité. Donc, quand je dis ici, c'est dans notre groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp de Sarange Group, qui regroupe tous ceux qui ont pour projet d'investir dans le foncier et dans l'immobilier. C'est un groupe que j'ai créé pour partager certaines informations et pour partager aussi certaines opportunités rapides, comme on dit ici. Comme l'autre fois, les 3 lots qui étaient sacrifiés à Jacquesville, que des heureux propriétaires ont bien fait de bloquer en espace de 12 heures. Voilà. Quand j'ai dit bloquer, c'est bloquer payé. Donc, c'est les plus concrets en général qui profitent de ces lots-là. Voilà. Donc, la vidéo sera mise ici dans le groupe WhatsApp exclusivement. Et des fois, quand on atteint le quota de financement nécessaire, on arrête. Si jamais c'est pas atteint, la vidéo passera sur
la plateforme YouTube, Astuces du pays, pour avoir le maximum de d'investisseurs. Puisque l'objectif, comme je vous disais tantôt, n'est pas de brader nos lots, mais d'obtenir le budget nécessaire pour travailler. Dès que c'est fait, on arrête. C'était pour passer sur le site d'un collaborateur, d'un partenaire. Voilà, toujours dans la même zone. Vous voyez, lui, il a déjà entamé les travaux. Les bornes sont déjà prêtes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Les bornes sont déjà prêtes. Donc là encore, c'est le même processus, hein. On va faire tout. Sinon, il va faire tout. Voilà, décapage, bornage, ouverture de voie, et il va également la céder. Mais ici, tout a été déjà financé, donc il n'y a rien à faire ici. Je voulais juste vous montrer un peu comment ça peut devenir comme ça. Et vous allez voir que la famille qui est là, voyant le travail qui se fait ici, ne va pas tarder à confier ça à l'opérateur. Voilà. Donc c'est un peu le fonctionnement, hein. Je vous dis tout. Quand on comprend, c'est plus facile d'investir. Voilà. C'était Nipa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays et pour la structure Sarange Group basée à Versailles. La structure qui vous aide, qui vous accompagne dans tous vos projets de lotissement, qui vous accompagne dans le foncier et dans l'immobilier de façon sereine et sécurisée.